Peggy 7. Re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour la petite création de Minecraft. Donc ne vous inquiétez pas, j'y mets énormément de temps à sortir des fois mes séries, mais c'est pas pour autant qu'elles sont arrêtées. Parce que tout simplement, j'ai pas encore fini de construire un petit peu notre univers, qui est tout simplement ici. Donc ça va être un peu long, mais c'est pas grave, on va essayer tout simplement de finaliser ce qu'on avait commencé en fait. Bon, il y a des choses qu'on a tout simplement pas délaissées ou quoi que ce soit. Attention, parce que là j'ai un cube, j'en ai perdu un. Donc il y a des trucs qui se sont fait un peu grignoter pendant que j'étais pas là, je crois, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave, hein. Donc là on a commencé à faire un petit peu notre terrain ici. Je me souviens qu'en fait qu'il fallait qu'on fasse une petite extension jusqu'au fond de la pyramide. D'accord? Jusque là, il n'y a rien de bien méchant. Et c'est quoi ça? Elle est pas en l'air comme ça, moi je me souviens pas qu'elle était en l'air. Tu te fous de moi ou quoi? Ah ouais, elle est en l'air maintenant. D'accord. Moi j'ai pas compris pourquoi. Mais elle est en l'air. Ah oui, je l'avais pas complètement fini. Mais à la base, je l'avais pas mis comme ça. Bon, c'est pas grave. Après, on a notre fameux aéroport ici à terminer. Donc la tour un petit peu spéciale. Pourquoi j'ai ça? Attends, parce que j'ai des trucs, des fois je me pose la question. Comment ça se fait que j'ai laissé autant de choses en fait qui servent pas à grand chose? Voilà. Donc là, c'est plutôt bien. Donc c'est grand quand même, hein. Ça je vous dis pas le contraire. Donc ça c'était pour reboucher en fait l'océan en question. Le pont, il nous reste à le terminer. Le paquebot là, il est déjà fini. Donc jusque là, c'est plutôt sympa. Encore plus, je pense que c'est beaucoup mieux maintenant de regarder la création de Minecraft en fait en 60 images par seconde. Je pense que c'est beaucoup plus joli. Même si ça reste quand même pixelisé, mais bon, on va pas se mentir, c'est toujours plus agréable d'avoir en fait un truc un peu plus sympa. Là, le pont a été fini aussi. Donc ça c'est bien. Il restera tout simplement à finaliser quelques petites conneries. Voilà. La grande arche, elle est en train de se finir aussi. Le temple en dessous. Ce que je devais faire, c'est construire un immense temple juste là pour pouvoir après aller par la suite faire nos trucs. Attendez, j'ai juste un truc si vous le permettez. Woody, il a déjà oublié comment jouer à Minecraft ou quoi? Potion. Nocturne, elle est où la nocturne? Voilà. Comme ça peut être plus sympa à jouer. Donc oui, en fait, ici, on va essayer de pousser un peu le truc. Pas forcément à l'extrême, mais on va le pousser un peu plus au fond. Attendez. Voilà, vers ici. Comme ça, on va se faire un petit peu un petit peu une extension vers la jungle. En fait, ça va être un petit peu une ville dans cette jungle. Ce qui peut être sympa. Donc après, il faut pas que je m'éloigne trop parce que la carte est tellement immense que je me suis perdu une fois. Je le ferai plus deux fois. Hein, parce que franchement, pour retrouver, j'ai dû mettre 3 heures. Même avec la carte indiquée, c'est super, super pas évident de se retrouver. Parce que là, c'est un tout petit périmètre hein, comparé à la carte, comment elle est gigantesque. Donc là, c'est plutôt bien. La pyramide, elle est construite. Ici, on fera un autre truc. Ah, je vous dis, ça va être super long. Hein. Bon, après, je vais me motiver, donc vous inquiétez pas. En 2016, on va essayer d'avancer un petit peu sur cette texture. Hop, je descends un peu plus bas. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas aussi à me les communiquer. Hein. D'accord? Là, je pense que j'aurais, comme j'expliquais, je ferai un petit peu une salle de rituel. Donc ça peut être un bon point positif. Là, après, on a tout simplement notre petite salle ici. Non, ça prend vraiment vie en fait, hein. Mais ça prend du temps, quoi. C'est juste ça qui est un peu décourageant, quoi. Donc, je vais tout simplement peut-être à un moment donné l'idée du chemin de fer ici. Parce qu'en fait, je voulais faire un chemin de fer pour ceux qui ont suivi, bien évidemment. Mais après, le problème, c'est que fallait tout simplement reboucher ici. Je vais vous montrer. Je pense que maintenant, ceux qui ont suivi la série, ils le savent très bien. Ouais, c'était là en fait que c'était un peu plus contraignant. Et encore, ça pose pas plus de problèmes que ça. En fait, c'est moi qui ai dit, oh non, c'est bon, en fait, on n'a pas besoin de se prendre la tête. Ouais, merci la chèvre. Je m'en souviendrai. Ouais, donc, ouais, si. Après, je peux même faire l'extension avec le chemin de fer jusqu'ici. Jusqu'au temple. Il descend au niveau des rails. Et après, il continue en fait. Son chemin dans la petite jungle. Ouais, je pense que je ferai un grand 8 en fait qui va tout englober en fait. Donc désolé un petit peu si j'ai pas la voix que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir. Je suis un petit peu malade donc du coup je parle un peu avec le nez. Et c'est pas forcément très agréable d'entendre ce genre de choses mais bon. Donc j'arrive à me faire comprendre. C'est un petit peu l'essentiel. Donc ouais si vous avez des idées. Parce que maintenant je peux tout simplement vous demander ce que vous avez envie que j'essaie de mettre en place. Ah oui, le pont là, il n'est pas encore finalisé ici. Hein. Je mettrai des pics par la suite, etc. D'accord? Donc ça, c'est pas trop grave. Ici, je sais que j'avais prévu de faire un grand terrain. Un petit peu vert et tout. Non, vous allez voir, franchement, j'ai beaucoup d'idées. Mais c'est juste que c'est chiant de le faire tout seul, quoi.
Et à plusieurs, c'est aussi un peu contraignant parce que les gens ne savent pas forcément un petit peu tes idées, ce que tu veux faire. Et du coup, les gens, ils se découragent très vite en fait. J'ai déjà fait l'expérience d'inviter des personnes sur ce serveur-là. Bah, j'en ai un, il a pété complètement un câble. En fait, pendant que j'étais en train de construire de l'autre côté, il m'a mis en fait des villageois sur mon bateau. Et en fait, il m'en a mis pratiquement une cinquantaine. Et du coup, va les supprimer après. Hein. Merci à cette petite canaille qui se reconnaîtra, bien évidemment. Donc là, on va essayer de se faire après plus tard des étages, etc., etc. Non, c'est bien. Moi, j'aime bien ce jeu-là, de toute façon. Donc, allez, je vais continuer un petit peu. Peut-être que je vais finaliser la tour. Donc, après, remplir la flotte ici, ça va être embêtant. Donc, dites-vous bien, pour l'instant, c'est transparent parce que j'ai la potion de Nocturne. Donc, après, dès qu'elle disparaîtra, on verra pas grand-chose. Et ici, je pensais tout simplement reboucher tout ça au niveau de la flotte. Mais regardez tout ce qu'il y a à faire. Franchement, ça va être un peu contraignant. Mais je pensais aussi faire une extension. C'est-à-dire que vous allez voir, je vous en dis pas plus. Mais par contre, vider la flotte, c'est vraiment pas évident quand même, hein. Je trouve que c'est le truc le plus chiant en fait. Donc après ici, j'aime bien, c'est que tout simplement, là on n'est pas loin de les entrailles de la Terre. Donc là, j'arrive au stade maximum. Après, il n'y a plus rien en fait en bas. Voilà, c'est quand même assez profond. Hop, 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 hop. Et on descend par là. On va passer par le carreau du milieu, bien évidemment. Non, franchement, c'est plaisant. Pour l'instant, tout est. On va dire tous les trucs sont les uns sur les autres, mais après, on va essayer de modifier tout ça, quoi. Déjà, je pense que j'ai déjà une petite idée qui va apparaître. Attendez, hop. Je vais finaliser ça comme ça, avec ça. Maintenant. Et je vais prendre un peu la potion de rapidité cette fois-ci. Allez, la rapidité, t'es passé où, toi? C'est ça qui est un peu chiant, c'est que va trouver les trucs à proprement dit. Vitesse 40. Ça va pas être énorme, mais. Voilà. Donc ici, je pensais faire un truc tout bête comme ça. Attends. J'essaie de bien. Putain, ça va être chaud. J'ai des drôles d'idées de temps en temps, donc laissez-moi le temps de les développer. Attends, je suis pas sûr si ça va bien le faire. Ouais, un truc comme ça, en fait. Voilà, ça peut peut-être le faire. Je sais pas, j'essaie de. Ça va être un petit peu l'extension que j'ai envie de mettre à l'extérieur. Vous allez voir, je suis pas sûr que ça va être joli, mais pourquoi pas sortir un truc complètement différent. Voilà, encore un ou deux, merci. Parce qu'après, dès que ça va monter, ça peut être un peu plus sympa en fitness. En fitness. Hop, hop. Comme ça, on fait les bordures comme ça de ce truc-là. Enfin, déjà, si je me trompe pas, ça va être plus agréable à regarder. Donc, il y aura beaucoup de moments, en fait, un petit peu embêtants dans Minecraft. Construire un cube par un cube, c'est jamais quelque chose de fastoche. Dans le sens que c'est assez embêtant de regarder quelqu'un qui construit ça, mais on a dit que ça fait partie du jeu, donc c'est pour ça. Faut prendre un peu son mal en patience et voir la construction comme elle avance au fur et à mesure. Encore un petit effort. Voyez un truc comme ça. Ça peut le faire. Je trouve que c'est pas dégueulasse non plus, quoi. Maintenant, je vais juste reboucher ici. Voilà, je pense ça peut prendre un peu de la gueule quoi, ça fait un peu. Si si ça va. Je trouve ça casse pas trop le charme du truc. J'avais peur au début que ça allait faire un peu n'importe quoi. Je sais pas, je fais des trucs qui n'existent pas. Hein. Je fais travailler ma tête et du coup ça peut être beau, ça peut être moche. En tout cas, ça vient de mon cerveau. Et dites-vous bien, c'est que toujours dès que c'est pas construit, faut pas critiquer. C'est comme par exemple, on peut voir je sais pas, une poutre métallique, on va dire c'est moche. Mais attends de voir que ça. Ce que ça va donner en résultat final, quoi. Voilà, on va essayer de gagner un peu de temps en faisant ça. Donc, ce qui est chiant, c'est de reboucher la flotte là. Ça va bien m'embêter, mais bon. On est obligé de faire avec. Donc, les pyramides, après, l'avantage, c'est qu'on va tout simplement. On en a trois. Donc, j'essaierai après de faire le sphinx un peu plus loin. Et je vais voir ce que ça va donner. Attends. Donc c'était ici. Clac, clac, clac. Après, ce qu'il y a à côté à gauche, ça va être rebouché. Hein. C'est juste pour la flotte. Dommage qu'on n'a pas un. Sur PC, c'était plus facile à faire en fait. Hein, de tout simplement faire du Minecraft. Parce que ça va beaucoup plus vite et
Moi, je sais pas, j'ai tenté l'aventure sur Xbox One et du coup, maintenant, je regrette un petit peu parce que t'as moins de choses, premièrement. Tu peux installer moins de textures et tu peux installer moins de modes, en fait. T'es obligé de le faire par défaut, quoi. Bon, c'est pas grave, hein. Dites-vous bien, on a pratiquement pas fini, mais on avance plutôt bien, quoi. Après, j'en ferai une autre série du même style sur PC. Et là, je pense que je vais essayer de faire quelque chose de beaucoup plus gigantesque, sachant que ça me prendra un peu moins de temps. Voilà, attends. Ici, j'ai pas le choix que de refaire ça. Donc, un truc qui peut être bien, dans un premier temps, c'est de ne pas s'embêter. Voilà, je vais essayer de faire ça. Je pense que ça va être plus facile, hein. Allez, merci. Vous voyez, même sur PC, je peux enlever le jour et la nuit, quoi. Et que là, tu ne peux pas, t'es obligé de faire le truc classique. Bon, c'est pas grave, allez, j'avance un petit peu, en fait, au niveau des extensions. Je pense qu'on arrive au max. Là, c'est pareil. Et allez, c'est parti. Après, du ciel, ça peut faire un truc joli, hein. Tiens, la potion de rapidité, je viens de la perdre. Et je suis à moitié fatigué en même temps, dans le sens que j'ai. Je commence à plus rien voir là. Attends. Voilà, c'est bon, merci. Des fois, en fait, à force d'aller trop vite, tu fais que te tromper. Et du coup, je me dis, mais est-ce que je vais finir par y arriver? Des fois, bien placer les cubes, c'est bon. Voilà. Bon, ça fait pas un truc de dingue, mais ça fait quand même des bordures assez sympas. Voilà. Ça prend un peu de la gueule. C'est beaucoup mieux que le truc lisse que j'avais commencé à faire. Par contre, il faut que ça soit vraiment bien aligné. Donc, attends. C'est ce cube-là, celui-là, celui-là. Ok. Ouais, parce que si je commence à mal les faire, ça ressemblera à rien et du coup, ça va être pas forcément joli à regarder. Voilà. Donc ici, par contre, la finition, elle est petite, hein, quand même. Donc je crois que c'était celui-là, le cube. Vers le premier ou vers le bord? Vers le bord. Donc c'est celui-là. Donc tu commences par celui-là. Donc ouais, j'ai des idées un peu bizarres. Hein. Ça, je sais que ouais, il nous construit un truc assez chelou. Bah écoute, hein, peut-être que tu verras quelque chose qui va t'intéresser au fur et à mesure du développement de la création. Tu te dis, ah ouais, peut-être que moi j'aurais pas fait comme ça parce que j'ai pas pensé à faire ça. C'est con, mais plus on veut faire marcher sa tête, plus en fait on peut avoir des trucs très 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 bah, intéressants, je trouve. Donc après, il y a ça. Je crois que je me suis complètement pas foiré, mais presque. Non, attends. Quoi qu'il arrive, ça reviendra à la même. Attends. Coup de bol qu'on a réussi à rectifier le tir. Voilà, et après, je pense que je poursuis à partir de là. Donc, on arrive pas loin au bord, voilà, je pensais. Après, il faut qu'on fasse un petit peu l'extension sur le côté. Donc ouais, pour réussir mon projet en tête que j'avais voulu commencer, il faudrait des... Pas des centaines d'heures quasiment, mais des milliers d'heures en fait. Hein. Tout ce que je voulais faire, laisse tomber. Hein. On va éviter de s'emballer non plus trop sur tout et n'importe quoi. Voilà, ici c'est plutôt parfait. Jusqu'au bout là-bas. Donc c'est bien parce que comme ça permet de reboucher certaines zones qu'on a un petit peu délaissées auparavant. Donc après tout ça là, tous les trucs à côté, ça se cassera. Hein. On les remplira de flotte, etc. etc. Mais même là, je voulais faire en fait un petit monde aquatique où le petit train y passe, mais finalement tu peux pas installer le chemin de fer en fait sur des vitres. C'est ça qui était un petit peu embêtant, mais bon. C'est pas vraiment très très grave quoi. Alors là c'est parti, on refait la même chose. Encore un peu, hop hop. Je pense que ça va bien progresser. Ah,
Ah, je vais jamais réussir à faire. Mais sérieux, à chaque fois, tu vois, dès que tu arrives au bout d'un certain nombre de cubes, certain nombre de cubes, bah, tu sens que tu commences un peu à loucher et du coup, tu les mets un peu n'importe où. Et ça, sincèrement, c'est assez fou quand même comment on se fait avoir par rapport à ça. Ça y est, la potion vient déjà disparaître. Oh là 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 là. Encore un petit effort. Est-ce que vous pensez que c'est bon là ou pas? Non, pas encore. J'ai presque fini. Hein. Il va réussir ce body ou jamais il va réussir à faire le truc comme il a voulu le faire. Voilà. Donc là, il me reste juste à terminer là. Hop, je vais faire ça comme ça. On perdra pas de temps. Non, il y a beaucoup de choses en fait que qu'on peut faire encore. J'ai même pas mal d'idées. Vous allez voir plus loin. Ça risque de vous plaire. Voilà, du ciel ça fait ça. Je trouve que ça fait pas dégueulasse du tout en fait. Au contraire, je trouve que ça donne un peu plus de charme. Des trucs comme ça. Vous voyez, du ciel c'est beaucoup plus joli à regarder. Bon, bien évidemment, c'est pas encore fini. Hein. C'est peut-être pour ça que même en général c'est pas terrible. Mais c'est beaucoup mieux que déjà qu'une surface plate. Donc là par contre, j'ai trop rapetissé le truc. Il faudrait que je commence à faire des extensions un peu plus longues. Là c'est pareil, je voulais faire un pont en fait avec une embarcation. Bah, par exemple, un petit côté où tu peux mettre des passagers, etc. Pour l'instant, on n'est pas encore à là, mais on va se rapprocher. Là la flotte, il faudra vraiment que je commence à la mettre plus tard. Ça je le ferai un peu. La flotte, tous ces trucs-là pour reboucher, je le ferai vraiment hors ligne en fait. J'ai pas envie de passer 15 minutes ou 20 minutes à vous boucher la flotte. Il y a certaines choses qui sont faciles, d'autres un peu moins. Ouais, c'est ça qui est chiant, c'est qu'il faut beaucoup creuser quoi. J'ai de la chance que je suis quand même en créatif, hein. Je suis pas non plus en mode normal où tu dois chercher chaque cube. Ça aurait été encore 10 fois plus long le let's play. Hein. Déjà, on gagne quand même beaucoup de temps quand même. Hein. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Comme ça, je le raserai tranquillement hors ligne jusqu'au bout. Donc ici c'est pareil, c'est l'extension que je devais faire. Bah, la même chose en fait au niveau de l'escalier qu'on a fait là-bas, regardez. En fait un grand escalier comme ça, super bien. Là la pyramide, vous allez me dire, mais tu veux faire quoi avec les pyramides? Justement en fait, ici je devais tout simplement les finaliser. Un truc tout con. Ce que je devais faire, c'est de faire ça en fait. Parce que je crois que j'ai plus assez de potions. En fait, c'est de faire un truc complètement différent ici et faire en fait un petit désert en fait. Bon, le sphinx, on va pas le faire là forcément, mais oui, c'est ça en fait que je voulais faire. Le faire tout le long de la ligne. Donc ça, il y en a au moins pour 2 heures pour faire ça. Parce qu'en fait, ça commence de là, ça va jusque là, ça englobe encore tout ça, et après ça fait tout le tour de la pyramide jusqu'ici. Donc tout ça doit être rasé et remplacé par ça. Jusqu'ici, donc après imaginez-vous le petit bordel. Bon, ça me dérange pas, sincèrement, c'est juste c'est rapide à faire, mais ça prend du temps quand même. Non, je vais pas réussir. Oh, c'est pas vrai. Voilà, vous voyez, et après tout le long là, tu fais un truc comme ça bien, et après tu fais un petit village un peu plus loin. Non, c'est pas compliqué, compliqué, hein. Mais après, ce qui est bien, c'est que dès que tu as du monde qui veut tout simplement venir t'aider sur Minecraft, tu leur sors les tâches qu'il y a à faire. Ah ouais, non, mais là, je dois manger, là, je suis fatigué. Oh, il y a trop de trucs à faire. C'est pour ça, c'est bien d'un côté, ça prend du temps de le faire tout seul, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même, en fait. Parce que le petit avantage, c'est que bah, t'as pas la pression du mec là qui est toujours feignant, en fait. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, quoi. Vous voyez, tout ça, faut que je le rase encore. Le truc en haut, je pense que je veux l'enlever en fait. Je ferai un truc beaucoup plus joli quelque part d'autre. Et après, plus tard, j'essaierai de faire un petit peu un lancement de fusée juste derrière, là, là. Ou peut-être un port pour les bateaux. Je ferai peut-être 2 bateaux ou peut-être un porte-avions, je sais pas. Vers ici. Vous voyez? Parce que franchement, ici, la zone est quand même assez sympa. J'aurais dû faire là mon bateau, comme un con, je l'ai pas fait là. Vous voyez, c'est plus joli ici, je trouve. Pour faire le bateau, là, là, y a de quoi faire. Je vous dis franchement,
Laissez-moi un petit peu le temps. Bon, là, par contre, faut que je me dépêche. Laissez-moi le temps. Moi, laissez quasiment un an le temps que je revienne sur la série. Mais je vais essayer de pas prendre trop tard non plus, quoi. Après, je veux pas non plus m'emballer à faire ce que j'avais prévu à la base. Parce qu'à la base, sincèrement, si je vous montre la carte, j'avais prévu complètement de la compléter à 100%. Donc, on va éviter de faire ce genre de conneries. Parce que je me connais, je suis capable de vraiment péter un plomb et faire un truc trop grand. Et du coup, ça va pas être intéressant. Donc après tout ça, j'essaierai de le remplacer un petit peu par des trucs. Ici, on va raser, on va mettre un peu quelques conneries. Là, par contre, il faudra que je rebouche plus loin le pont ici. D'accord? Là, j'avais prévu aussi une autre extension. Vu qu'ici, ce sera un peu un barrage. Donc du coup, on essaiera de faire un petit peu une capitainerie ou un truc comme ça ici. Ah, oh, ça va être un bordel. Aïe, 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 trop d'idées égale trop de travail. Très peu d'idées, il y a juste deux cubes et une maison. Voilà, j'ai fini. J'ai fait du Minecraft. Tu vois, le mec, il a juste fait ça. Et ça y est, pour lui, c'est fini. Non, 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 j'exagère, je taquine. Mais c'est trop ambitieux comme projet. Donc on va voir. D'accord? Donc moi, les amis, je pense qu'on va se laisser là pour l'instant. Et on se retrouve très prochainement pour la suite. D'accord? Et juste une question de curiosité, hein, pour voir. Hein, c'est juste une question, j'ai dit. Hein, ce sera pas quelque chose d'obligatoire. Mais vous voulez des vidéos de combien sur ce mode-là? Des vidéos de 20, de 30, de 40, de 50, de 1 heure, de 15 minutes? Des vidéos de combien? C'est juste une question, ça ne veut pas dire que je le ferai. Hein. Même si vous êtes 100 000 à me sortir des vidéos de 30, ça ne veut pas dire qu'après je vais faire des vidéos de 30, mais c'est juste une question de curiosité. Bah, combien vous voulez? Et n'oubliez pas, c'est cube par cube. Hein. Ce ne sera pas juste des moments coupés. Hein. Ça va être un cube par là, un autre cube, comme on vient de faire en fait un peu au début là, avec les bordures. Donc n'hésitez pas à me dire combien de temps vous aimerez par exemple pour cette série-là. D'accord? Et la fréquence de vidéo aussi, une vidéo tous les 3 jours, une vidéo tous les 4, une par semaine. N'hésitez pas à me dire tout ça. D'accord? Donc moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous les amis.